Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à m'excuser, j'ai pas posté cette vidéo. En fait, je n'ai pas filmé plus tôt la semaine dernière, comme promis. Il y a des travaux chez moi, le boucan est infernal, il y a énormément de bruit, il y a des travaux à l'intérieur et à l'extérieur. Pour le coup, ben, j'ai pas pu filmer parce qu'on allait entendre le bruit. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai filmé une partie des travaux et je pense que ça peut vous intéresser. Je sais que beaucoup me suivent parce que je parle de maison, d'immobilier, etc. Donc, je pense faire une série de vidéos sur tout ce qui est DIY, tout ce qu'on est en train de faire chez moi. Comme je vous l'avais aussi dit dans ma vidéo vide dressing, je ne sais pas si vous l'avez vu sur ma chaîne où je vous avais montré mon dressing. Il y a plein de choses qu'on n'a pas encore fait dans la maison. On s'est installé, on a acheté les meubles, mais on n'a pas décoré, on a fait des choses à la va-vite. Et maintenant, petit à petit, on est en train de terminer, peaufiner, décorer, etc. Donc, je pense que je vais vous emmener avec moi dans tout ça. Et vous me voyez avec ma petite tasse, ma grosse tasse plutôt. C'est que je suis en train de prendre mon petit-déj. Ça fait 2 jours de suite que je filme à 7h du matin. Et oui, applaudissez-moi dans la barre de commentaires. Je suis obligée de faire comme ça parce que sinon, après le reste de la journée, il y a beaucoup de bruit. Les travaux ne sont pas terminés. Et je me suis dit, je ne vais jamais filmer ces vidéos. Donc, je m'y mets tôt le matin. Donc, je ne suis pas super bien réveillée, mais on va faire ce qu'il faut pour cette vidéo. Donc là, je suis avec mon petit cappuccino et on va y aller tout simplement. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous savez, à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, comme d'habitude, vous avez toutes les ressources en barre d'informations. C'est juste en dessous. Vous n'avez qu'à cliquer et vous verrez, il y a des liens vers mon blog, il y a des liens vers mon guide que j'ai créé pour acheter un terrain à l'île Maurice. Il y a pas mal de petites choses dans la barre d'informations, donc n'hésitez pas à checker, c'est gratuit. Et aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à faire un petit disclaimer, c'est que je ne suis pas multimillionnaire, non, je ne suis même pas millionnaire et je gagne même pas un salaire à 6 chiffres. Pour vous dire que, bah déjà, ne me demandez pas d'argent en message privé, j'en ai pas. C'est aussi simple que ça. Mais je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez transformer un petit capital en plusieurs millions grâce à l'immobilier et je vais vous partager toute mon expérience. Donc préparez-vous, installez-vous bien. J'espère que la vidéo ne va pas être trop longue parce que quand même c'est presque 4 ans de ma vie que je vais vous raconter en accéléré. Je vais éliminer tous les détails sinon on ne va pas s'en sortir. Mais je vais vous donner les points importants et surtout comment je suis arrivée à cette somme aujourd'hui. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Toute première étape, c'est d'acheter son premier bien immobilier. Donc en 2015, c'est dans la vingtaine. J'avais un job fixe, j'étais employée par le gouvernement, j'étais enseignante au secondaire. Quand j'étais adolescente, quand je pensais à ma vie future, pour moi, mes deux buts vraiment ultimes, c'était de terminer mes études tertiaires et d'acheter une maison ou enfin, d'acheter un bien immobilier où je pourrais habiter. Pour moi, c'était les deux seuls rêves que j'avais. Donc en 2015, je vais à la banque et je me rends compte que je peux prendre un petit peu d'argent à la banque et que j'ai un emploi stable. Et vous savez que lorsqu'on travaille dans le gouvernement, qu'on a un job on a permanent basis, donc ça facilite vraiment, on va dire, les transactions. Donc pour le coup, je décide de parler à mes parents et vous savez, une jeune femme célibataire dans la vingtaine qui va dire à ses parents, ben ok les parents, je vais acheter mon propre bien immobilier et je vais déménager. À l'île Maurice, on va dire que c'est pas dans les mœurs, c'est toujours pas dans les mœurs en 2021, ça l'était encore beaucoup moins en 2015. Et j'étais pas fiancée ni mariée à cette époque. Pour moi, c'était dans la logique des choses, et ben de trouver un endroit pour moi et aussi comment dire, d'alléger mes parents également concernant les dépenses, etc. Et de trouver mon indépendance, c'était très important pour moi. Donc, j'annonce la nouvelle à mes parents. Mes parents, bien sûr, surtout mon père, n'étaient pas d'accord du tout. Ils ne comprenaient pas du tout. Je le comprends d'une certaine façon. C'était qu'il n'y avait pas d'urgence. Pourquoi est-ce que je devais partir? J'étais très bien chez mes parents. Donc, ils ne comprenaient pas vraiment cette démarche. Et c'était, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas habituel pour une fille dans la vingtaine de faire ce type de démarche. Donc, pour le coup, ben, ça a été difficile. Et mon copain de l'époque,
qui est devenu mon mari maintenant. Je ne sais pas à quel moment, comment il a fait, ben, il a parlé avec mes parents pour leur expliquer que ce n'était pas quelque chose de mauvais, que je ne fuyais pas la maison, que je ne les trahissais pas ou je ne sais pas trop c'était quoi le truc, mais que c'était un investissement à vie et que j'étais en train de faire un sacrifice qui était énorme, mais que ça allait être bénéfique pour moi dans le futur. Donc, ils ont avalé la pilule et vraiment, je ne sais pas, par chance ou vraiment grâce à mon copain, mon père a accepté et il a même dit qu'il allait contribuer et allait m'aider dans les recherches et s'il fallait financièrement m'aider un petit peu, ben, qu'il allait pouvoir le faire. Donc, j'étais mais vraiment au top du top. Je vais vous donner tous les chiffres. Je vais être complètement transparente là-dessus. Comme ça, vous allez voir étape par étape comment est-ce que ben, la somme a augmenté au fil des années. Donc, première étape, je vais chercher mon premier bien immobilier. Donc, moi, à la base, je voulais ou une maison, ou si vraiment ce n'était pas possible, c'était acheter un appartement. Donc, pour moi, c'était assez compliqué d'acheter un terrain et de faire la construction, sachant que, ben, vous savez, une jeune femme, je ne connaissais absolument rien dedans. Et ensuite, bon, ce n'est pas évident, moi, une petite femme comme ça, qui débarque, qui va aller chercher des contracteurs, etc. On se fait vite arnaquer, il faut être honnête là-dessus. Et on est. Comment dire, considéré comme une petite pigeonne. Donc moi, c'était pas vraiment ma première optique, c'était de trouver une maison en priorité, une petite maison parce que je ne pouvais pas prendre beaucoup d'argent. À cette époque, je pouvais prendre 1,1 million de roupies parce que j'avais déjà un personal loan pour ma voiture, donc ça bloquait pour avoir plus d'argent. Donc je pouvais prendre 1,1 million. Et pour vous dire, vous qui êtes dans la recherche d'acheter un bien immobilier, 1,1 million de roupies, c'est vraiment pas grand-chose. Faut être honnête, c'est pas grand-chose du tout, même pour un appartement. Je cherchais une petite maison parce que je préférais avoir une maison qu'un appartement parce que moi, je voulais avoir un jardin, je voulais avoir un petit extérieur au moins, j'avais une voiture, donc c'était assez compliqué, mais s'il fallait acheter un appartement, j'allais l'acheter et puis j'allais le revendre plus tard si ma situation évolue, etc. Donc j'allais le revendre. Pour moi, il n'y avait aucun souci. Donc on commence à faire les recherches, etc. Et on se rend très vite compte que le budget que j'ai n'est absolument pas suffisant. Donc pour le coup, mon papa me dit qu'il serait prêt à contribuer jusqu'à environ 1 million de roupies. Donc, imaginez-vous, je saute de 1,1 million de roupies pour aller à 2,1 million de roupies. Donc, ça change tout. Je peux trouver des appartements, je peux même trouver une petite maison quelque part. Donc, on accélère les recherches, etc. Bon, il s'est passé plein de choses entre-temps, mais finalement, mon papa ne peut pas contribuer cette somme et peut contribuer jusqu'à grand maximum 500 000 roupies. Donc là, pour vous dire que retour à la case départ, trouver une maison dans ce prix-là, 1,5, 1,6 million, sachant que une maison à ce prix-là, si ça existe, il faut faire de gros travaux, donc j'avais pas le budget pour ça. Un appartement également, bon, sachant que j'ai des goûts quand même particuliers, trouver un appartement qui soit moderne, etc. Donc, ce n'était pas possible non plus. Donc, finalement, ben, je suis retournée sur mon idée de base, c'est-à-dire qu'il fallait que je trouve un terrain. C'était la seule chose que je pouvais acheter dans ce budget, trouver un terrain et construire petit à petit. Donc finalement, on se met à la recherche d'un terrain. Et pour vous dire que moi, j'allais prendre l'argent de mon père pour acheter un terrain, j'avais 500 000 roupies et le reste, j'allais construire la maison. Donc encore une fois, vous qui construisez, vous qui êtes dans la recherche, etc., vous savez que trouver un terrain à 500 000 roupies, que ce soit dans le centre ou sur la côte, c'est pas évident. Ça n'existe quasiment presque pas, je dirais. Recherche à fond les ballons, recherche, recherche, recherche. Je vois qu'il n'y a pas 500 000 roupies. Un terrain raisonnable dans ces régions-là, c'est quasiment impossible. Et un jour, je vous épargne les détails, je trouve une annonce sur l'express.mu, une petite annonce qui disait terrain à vendre à Pointe-Sable, 6 perches à 500 000 roupies, 515 000, un truc comme ça, dans un nouveau morcellement. Et ça a fait ding 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 dans ma tête. Pour vous dire, je ne connaissais absolument pas Pointe-Sable. Alors là, pas du tout, mais mon copain de l'époque, qui est mon mari, encore une fois, ben, ses parents avaient une maison à Pointe-Sable et ils connaissaient bien l'endroit parce qu'il y allait presque tous les mois. Donc il m'a dit, ben, on va voir, lui il connaît, tu auras la plage. Donc déjà, Pointe-Sable, ce qui est génial, c'est que quand vous entrez à Pointe-Sable, vous voyez la plage, vous faites la route côtière, c'est magnifique, c'est arboré, il y a la plage.
On y va, on va voir où est-ce que ça se trouve. Et puis, on verra. De toute façon, c'est le seul terrain qui rentre dans le budget. Donc, j'ai dit pourquoi pas. Surtout que j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de terrain avant la pointe de sable. Il y avait pas mal de maisons avant la pointe de sable. Et il y avait beaucoup de gens qui recherchaient la pointe de sable. Et moi, qui ne connaissais pas l'endroit, je me posais des questions là-dessus. Mais pourquoi est-ce que c'est en demande en ce moment? Donc, je me dis peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-bas. Et on y va. Donc, je vais voir le terrain et honnêtement, déjà le terrain était dans un morcellement. Donc, ultra important pour votre premier achat, si c'est dans un morcellement, honnêtement, c'est génial. Pourquoi? Parce que les routes sont asphaltées. Vous avez tout ce qui est drain. Ça, c'est ultra important. Vous savez vous-même à Maurice, les inondations, flash flood, etc. C'est quand même assez c'est fréquent, malheureusement, et beaucoup de gens sont affectés par ça. Donc, il y a des drains. Ensuite, vous avez tout ce qui est CEBCW qui est déjà connecté. Donc, vous n'avez qu'à faire les démarches et on vient brancher votre eau et électricité. Moi, aussi, on doit respecter des normes. Par exemple, là, quand je suis allée visiter, moi, ce qui m'a choquée, donc honnêtement, j'étais très naïve, on va dire, à cette époque, je suis allée visiter, il y avait des panneaux de limitation de vitesse, il y avait la ligne stop, il y avait tout ça. Donc, pour moi, je trouvais ça vraiment génial, c'est que ça respecte toutes les normes et les routes sont plus larges, donc les deux voitures peuvent bien circuler. Tandis que si vous achetez dans un petit quartier qui n'est pas un morcellement assez récent, donc c'est un peu plus compliqué, on va dire. Donc, pour moi, c'était vraiment l'idéal. Donc, en plus, ça, c'est le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est la localisation du terrain. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo, choisir un terrain à l'île Maurice, si vous n'avez pas vu, je vous mets juste ici. J'ai appliqué tous ces conseils et vous allez voir comment ça m'a rapporté énormément d'argent par la suite. Le terrain que j'avais trouvé se situait là. J'avais une vue sur la mer. J'avais le supermarché qui était là. J'avais la pharmacie qui était là. Le vétérinaire qui était là. De ce côté-ci, j'avais la petite gare de Pointe-au-Sable. Donc, pour vous dire qu'à 500 000 roupies, honnêtement, c'était une aubaine de fou. Moi, je l'avais bien réalisé, mais on m'avait mis beaucoup en gare. Pointe-au-Sable, il y a la prison. La prison est pas super loin. Si quelqu'un s'évade, et blablabla. J'ai fait beaucoup de recherches sur la prison de Pointe-au-Sable. Il faut savoir que la prison de Pointe-au-Sable, c'est une prison qui est ouverte, qui sont pour les délits mineurs. Et la prison faisait à cette époque, je ne sais pas si c'est toujours l'actualité, mais faisait beaucoup d'activités dans l'endroit. Les prisonniers avaient fait des poubelles écologiques qui se trouvaient pas loin de chez moi. Il y avait des rondes de Brinks et de la police régulièrement. Donc pour moi, je ne trouvais pas que c'était un désavantage, mais plutôt un avantage parce qu'il y avait une sécurité qui était plus élevée. Donc finalement, on a choisi d'acheter le terrain. Et en plus de ça, coup de bol, deuxième coup de bol, j'achète directement avec le promoteur immobilier. Ce qui se passe, c'est que je n'ai pas de frais d'agence à payer. Et en plus de ça, j'ai contact direct avec les propriétaires. Donc voilà, premier investissement immobilier. En 2015, j'achète un terrain de 6 perches à Pointe-au-Sable à 515 000 roupies, tous les frais sont inclus. Étape 2, c'est la construction. Alors là, c'est vraiment, comme on dit à Maurice, malade la tête. Franchement, construire une maison, c'est ultra stressant, c'est beaucoup de sacrifices, mais à la fin, ça en vaut vraiment la peine. Donc, je vous explique comment, et c'est là vraiment que tout se passe, honnêtement. Déjà, le terrain, on a eu vraiment très bon marché, mais la construction, c'est ce qui a permis de d'évoluer et d'avoir un retour sur investissement, mais énorme et ultra rapide surtout. Donc, restez bien assis sur votre chaise ou je ne sais pas qu'est-ce que vous faites en ce moment, mais écoutez bien cette partie. Il faut savoir que là, comme je vous l'ai dit, j'ai 1,1 million de roupies pour la construction d'une maison. Donc, pour ceux qui sont en train de construire en ce moment, vous savez que faire une maison de 1500 pieds carrés environ, avoir le mur des quatre côtés, un espace pour sa voiture, etc., c'est quasiment impossible. Ce n'est pas possible maintenant et ça ne l'était pas en 2016, du coup. Donc là, ce qui se passe, c'est que je commence à demander des cotations. Je vais demander plein de cotations à plein de contracteurs différents. Et je vais aussi à la banque. Au fil, il faut savoir que la banque va vous donner l'argent par tranche et va estimer combien est-ce que cela va coûter. Donc, on va faire un petit calcul. J'ai ramené ma calculatrice. Vous savez comment j'aime marcher avec ma calculatrice. Alors, on va faire un petit calcul. C'est que la banque va évaluer la construction d'une maison sur un taux de 1200 roupies par pied carré.
À l'époque, c'était la moyenne de ce que les contracteurs prenaient pour construire une maison. Je dis bien la moyenne. Et on va dire un contracteur qui est légitime, qui va faire correctement son travail. Donc, j'avais 1,1 million divisé par 1200 roupies. Donc, la banque estimait que je pouvais construire une maison à, je ne sais pas si vous voyez, donc ça fait 916 pieds carrés. Et sans compter le mur, sans compter tous les travaux qu'il y a dans la cour, sans compter, si je ne me trompe pas, tout ce qui est drain, etc. Donc, c'était vraiment le bloc, le bâtiment. Et ça ne comptait pas non plus tout ce qui est anti-vol, etc. Là, je me retrouve avec la banque qui estime que je dois, c'est une condition, c'est qu'ils vont décaisser au fur et à mesure l'argent pour que je puisse construire une maison de 915 pieds carrés. Ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai fait le plan de la maison, je me suis dit non, je n'ai pas fait une maison à 916 pieds carrés parce que c'est quand même petit, honnêtement, c'est un appartement, je dirais, deux chambres à coucher qui va faire 900 pieds carrés et une petite maison. Donc moi, je me suis dit non. Comme je suis en train de payer le plan de ma maison, ben, je vais faire le plan final. Je vais imaginer la maison de mes rêves, mais seulement je vais construire uniquement 900 pieds carrés. Et ensuite, ben, dans quelques années, si je me marie ou quoi que ce soit, je vais compléter la maison. On va là-dessus, c'est que je fais un plan de 1550 pieds carrés, la maison dont je rêvais à cette époque, mais seulement que j'allais construire la maison jusqu'à 916 pieds carrés, que la banque me décaisse tous les sous. Je suis désolée, les contracteurs. Je ne fais pas une généralité, mais c'est ma propre expérience, c'est que aucun des contracteurs que j'ai eu, aucun, personne n'est rentré dans ce budget-là. J'ai demandé des cotations. Honnêtement, ça m'arrivait à 2 millions pour une maison à 916 pieds carrés. 2 millions, 2,2 millions, 2,5 millions. Honnêtement, je trouvais que c'était mais complètement exorbitant. Là, je me suis retrouvée avec la banque qui me dit que c'est possible et toutes les cotations que je reçois qui ne sont pas possibles. Donc, pour le coup, mais qu'est-ce que je fais? C'est quoi ma solution? Ce qui s'est passé pour moi, et ça, c'est vraiment ma bonne étoile, c'est que le papa de mon petit ami de l'époque, qui est devenu mon beau-père maintenant, est rentré en jeu. Il faut savoir qu'on l'appelle le bricoleur. Honnêtement, il est à fond la bricole. Il connaît plein, 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 plein de choses sur tout ce qui est bricolage, trouver des solutions à moindre coût. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il est entré en jeu alors que on n'était même pas fiancé avec son fils et que ben, il me devait absolument rien du tout. Mais ils ont les deux voulu m'aider et je suis extrêmement reconnaissante jusqu'à présent parce que sans eux, j'y serais pas arrivée. Il faut être honnête, j'y serais pas du tout arrivée. Donc, ce qui se passe, c'est que il nous dit que si on veut économiser des sous, eh bien, on ne pourra pas prendre un contracteur. Il faut qu'on fasse la construction nous-mêmes, qu'on prenne deux ou trois maçons et qu'on gère la construction nous-mêmes. Donc, imaginez-vous, mon copain à l'époque, il avait 23 ans. À 23 ans, prendre une construction sur ses épaules alors que c'est même pas ta maison, tu vas même pas habiter dedans, croyez-moi, j'imagine que c'était une très grosse décision de sa part, mais il a fait quand même. Et moi aussi, honnêtement, j'étais prête à juste tout faire pour pouvoir avoir une maison, quoi. J'avais le terrain, j'avais les moyens de construire quelque chose, mais il fallait que j'aie cette maison. On va demander des cotations à des maçons. Mon beau-père trouve une équipe de maçons de 3 personnes uniquement et ça rentre dans le budget. Ce qui se passe maintenant, c'est que si vous prenez une équipe de maçons, il va falloir gérer la construction tous les jours, venir sur le site tous les jours, sachant que moi j'habitais à Saint-Pierre, je travaillais à Cuepip, mon copain habitait à Cuepip, mes parents sont à Saint-Pierre, donc ça fait loin, donc on doit venir sur le site tous les jours, venir gérer le travail, des fois venir faire des checks. Surprise pendant l'heure du déjeuner. Moi, je roulais comme une malade pendant mon heure de déjeuner. Je faisais 110 km sur l'autoroute. N'hébète pas ça. Honnêtement, je vous conseille pas. Pendant mon heure de déjeuner, je déjeunais pas. Je venais sur le site pour juste venir voir qu'est-ce qui se passait si j'étais en train de travailler. Il fallait livrer des matériaux. Donc, nous, on gérait tout ce qui est matériaux.
Et ça, c'est un autre conseil que je vous donne, c'est d'avoir la mainmise sur la quantité de matériaux qu'on vous demande. Si vous passez par un contracteur, vous n'avez aucune visibilité là-dessus. Tandis que si vous passez par une équipe de maçons, vous pouvez gérer toutes les dépenses matérielles. Et c'est là, et je vais être complètement transparente, c'est là que beaucoup de contracteurs malhonnêtes gagnent de l'argent. Ils vont me dire qu'il faut tant de matériaux, il faut les payer d'abord. Ils prennent une partie de l'argent, ils mettent dans leur poche. Et ça, je trouve que c'est absolument pas correct. Il faut vous payer pour le travail que vous êtes en train de faire, mais vous ne prenez pas des commissions sur les matériaux que vous achetez. On a fait un budget exact pour tous les matériaux qu'il fallait pour la construction. Donc, c'était des nuits et des nuits à réfléchir, à calculer, à voir comment on va faire, à chercher des discounts. Croyez-moi que ce n'était absolument pas évident. Mon copain, il venait sur le site tous les jours après le travail. Il n'avait pas de voiture, donc imaginez-vous. On a galéré pendant des mois et des mois, mais ça en valait la peine et je vais vous dire pourquoi. Encore une fois, mon beau-père arrive comme un ange et il vient, on s'assoit, on calcule, on calcule, on calcule, on discute. Ce qui se passe, c'est qu'il me dit, Emmanuel, tu peux compléter ta maison de 1550 pieds carrés dans 1,1 million de roupies. On va faire tout pour y arriver, c'est possible. Honnêtement, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Mais on se lance dans cette aventure. Donc, comme je vous l'ai dit, sacrifice, sacrifice, sacrifice. Honnêtement, je me suis autoproclamée la reine des discounts, la reine du petit budget. Je vais chercher des discounts sur toute l'île. J'achète sur Internet. Honnêtement, c'est ce qui a fait que, et je vais vous le dire, après 8 mois, je me retrouve avec une maison de 1550 pieds carrés, avec espace pour deux voitures, un jardin, avec du parquet, avec une terrasse en bois, blablabla, pour 1,1 million de roupies. Donc, à la base, le minimum que je pouvais payer pour une maison de 1550 pieds carrés, c'était 1 860 000 roupies, sans inclure tout ce qui est extérieur, tout ce qui est menuiserie. J'imagine que la banque aurait estimé la construction de cette maison environ à 2,2 millions de roupies. Troisième étape, et là, c'est vraiment la magie de l'immobilier, l'investissement immobilier. Croyez-moi, ça en vaut la peine. C'est que 1 an plus tard, de la construction, le terrain sur lequel on était, qui était initialement à 515 000 roupies, double du prix. Donc, les terrains qui étaient en vente dans le Mont-Saint-Mont où j'étais étaient à 1 million, entre 1 et 1,1 million de roupies. Donc, jackpot, on a déjà fait un superbe retour sur investissement. Je dis on parce que ensuite, bon, je me suis mariée, etc. Superbe retour sur investissement pour le terrain. Et quelques années plus tard, je vais vous épargner les détails, je vais faire une autre vidéo si vous le souhaitez là-dessus, pourquoi j'ai voulu vendre notre maison de Pointe de Sable et investir dans quelque chose d'autre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous fais tout ça. 3 ans plus tard, je vois que Pointe de Sable est en demande mais de fou. Beaucoup de gens recherchent des maisons, surtout des maisons neuves et modernes, contemporaines comme notre maison de Pointe de Sable. Donc je me dis peut-être que c'est le moment de viser plus haut. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, les investissements à faire quand on a 20 ans, c'est que plus vous allez acheter jeune, plus votre salaire va augmenter et plus vous pourrez investir dans des choses qui sont meilleures. Donc c'était mon cas, c'était que mon salaire avait évolué, le salaire de mon mari avait évolué. En plus, il y avait le salaire de mon mari en plus de ça parce que j'avais pris seul le loan. Donc, qui fait que on avait plus de possibilités et que on avait une maison, on pouvait la vendre et investir dans quelque chose de plus grand, de meilleur. Donc, ce qui fait qu'on l'a vendue et on l'a vendue 2 fois et demi plus que ce qu'on avait investi et ça seulement en 3 ans. Donc, imaginez-vous, j'ai eu un retour sur investissement de 2 fois et demi la somme totale investie, que ce soit dans la maison et dans le terrain, en seulement 3 années. Donc, pour pouvoir faire ce type de retour sur investissement, c'est eh bien de mettre la main dans le cambouis, de mettre la main à la pâte, de faire les choses vous-même. Honnêtement, ça va demander beaucoup, beaucoup de sacrifices. Vous allez sacrifier tous vos week-ends à peindre votre maison, à faire des travaux à l'intérieur, à faire tout ce qui est DIY, à chercher des promos, à rouler sur toute l'île, à trouver des magasins où il y a des choses en promotion. Mais
Voyez vous-même, ça en vaut vraiment la peine. Ensuite, donc je vous épargne encore une fois tous les détails. Donc maintenant, il faut trouver un autre bien immobilier. Et nous, on était parti sur une maison. On voulait acheter une maison dans le nord. Granby, Montchoisy, Trobisch, même aller jusqu'à peut-être Cap Malheureux, toujours en bord de mer. Donc on fait des recherches, etc. On voit qu'il y a des biens qui sont dans notre budget. Mais seulement, il y avait à chaque fois un souci, c'est que dans le nord, à cette époque-là, en 2019, il n'y avait pas cette quantité de morcellement-là. Si c'était déjà morcelé et que c'était bien vendu, on va dire, le prix était mais exorbitant, exorbitant. Les routes n'étaient pas asphaltées, il fallait avoir un 4x4 pour y aller. Donc j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, mais ça ne s'est pas fait. On a trouvé ensuite une superbe maison à Montchoisy, tout près de la plage, dans un morcellement et avec une piscine. Plein pied parce que moi mon rêve c'était d'avoir une maison plein pied parce que ça se vend beaucoup mieux. Ça c'est un petit conseil que je vous donne, c'est que les maisons plein pied se vendent beaucoup mieux que les maisons à étage. Et du coup on a trouvé cette maison, mais ça ne s'est pas fait non plus malheureusement. Et pour le coup on s'est retrouvé à, on va dire, être forcé d'acheter une maison qu'on peut-être qu'on ne voulait pas, ou qu'il y avait deux trois petites choses qui nous agaçaient. Donc finalement on s'est dit rebelote, on va se lancer dans une construction. Donc là, les parents tombent de 1000 étages parce qu'on va devoir louer une maison. C'est la première fois qu'on va louer une maison. On ne sait pas pendant combien de temps on va rester en location. Il faut trouver un terrain, etc. Donc c'est reparti pour un tour. Croyez-moi que ce n'est pas évident. La deuxième construction, franchement, on ne sait pas quand on est passé la première fois. La deuxième fois, c'est ultra stressant. Je vais être honnête, c'était ultra stressant, mais encore une fois, ça vaut le coup. On écume l'île Maurice pour chercher un terrain. Et finalement, on s'est dit, comme on a un gros budget, enfin, par rapport à la première construction, vraiment, ça n'avait rien à voir, on s'est dit, on va faire une baraque de malade. On fait une grosse maison, on va prendre un très grand terrain, etc. Même si c'est de retour à Pointe-Sable, on est allé chercher plein de terrains à Pointe-Sable, au moins 220 toises, au moins le double de ce qu'on avait avant, et faire un truc de fou. Moi, je voulais des pierres, je voulais plein de trucs. Finalement, après plein de recherches, je ne sais pas, j'ai eu une illumination. Le matin, je me réveille, des fois j'ai des illuminations, ça fait ding ding ding. Je me dis, Emma, est-ce que, encore une fois, tu vas acheter un terrain qui est bon marché et puis tu vas faire un truc de fou malade? Ou est-ce que ce serait pas mieux d'investir vraiment la grande majorité de ton budget dans un terrain qui est dans une localisation mais extra? Et de faire une maison qui est peut-être plus simple que ce que tu avais pensé, mais que tu pourras améliorer après. Parce qu'une maison, ça peut toujours s'améliorer. Tandis que, et là, je vais vous donner vraiment le conseil qui, moi, m'a permis d'investir vraiment intelligemment, c'est que une maison, vous pourrez toujours l'améliorer. Je pourrais mettre les pierres après, je pourrais mettre une piscine après, je pourrais faire tout ce que je veux après, je peux mettre même un héliport sur mon toit. Peu importe, les voisins, je pourrais jamais les acheter, je pourrais jamais les changer, je pourrais pas les forcer à déménager, je pourrais pas avoir une influence sur leur comportement. Donc, le conseil que je vous aurais donné, c'est de choisir vraiment une localisation pour l'avenir, pour le futur, pour le long terme. Investissez vraiment dans le terrain plutôt que dans la maison. Et c'est assez difficile d'avaler cette pilule parce que à Maurice, on a vraiment la culture de montrer aux voisins ce qu'on a, vraiment frimer. Honnêtement, moi je le perçois comme ça, c'est qu'on vit beaucoup pour les yeux des gens. Et moi, je ne suis pas du tout une personne comme ça. Faire investir dans des choses qui vont être sur le long terme et qui vont me rapporter de l'argent plus tard. Arrêter de penser à ce que les gens vont penser, ils vont dire, oh mon Dieu, sa maison est petite, etc. Non, honnêtement, non. Si vous avez acheté un super terrain dans une superbe localisation, vous allez être vraiment gagnant. Et en très peu de temps, on a commencé, nous, à visiter des terrains qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir acheter dans des quartiers où on n'aurait jamais pu imaginer habiter. On a commencé à aller voir flic en flac. C'était honnêtement hors budget à la base pour nous, dans le tête. C'était hors budget parce qu'on voulait une grosse maison. Mais on a changé maintenant des localisations qui nous plaisaient, nous faisaient fantasmer. Tamarin, enfin, toute la côte ouest, vraiment devenait possible. Donc après avoir fait plein de visites, on a finalement, à chaque fois on retournait vers le même morcellement, finalement on a acheté un terrain qui coûtait plusieurs millions. Un terrain de 135 toises qui coûtait vraiment cher. Je ne vais pas vous donner le premier, c'était très cher. J'aurais jamais pu penser acheter un terrain à ce prix-là, mais j'ai acheté mon futur, j'ai acheté l'environnement, j'ai acheté les voisins.
entre guillemets, j'ai acheté le matin. J'ai acheté vraiment un cadre de vie et je ne me vois pas, je ne me vois jamais revendre cette maison. Même si je dois déménager, mais je me vois la garder, la maison, parce que le quartier est vraiment incroyable. Et je regretterai jamais d'avoir fait ce choix-là. Et on vit dans le quartier de nos rêves. Honnêtement, c'était vraiment un rêve qu'on n'aurait pas pu imaginer toucher un jour, mais c'est ce qui nous rend heureux aujourd'hui, c'est de vivre dans cette localisation. Donc, on fait ça et on change de modèle de maison. Enfin, on change pas de modèle parce que la maison est plein pied en L, comme je vous l'ai expliqué précédemment, et qu'on a pu mettre notre piscine. Mais donc là, vous voyez que je suis en plein travaux, c'est que on a mis l'essentiel dans la maison, les meubles, mais seulement on n'a plus rien fait après parce qu'on n'avait plus les moyens. On s'est dit, on va se concentrer plus vers l'extérieur et maintenant on va se concentrer à l'intérieur et améliorer au fur et à mesure. Comme je vous ai dit, une maison, vous pouvez toujours l'améliorer, mais un terrain, vous ne pourrez jamais changer sa place. On a acheté le terrain en 2019, fin 2019, et encore une fois, les amis, je vous le dis, le retour sur investissement immobilier, c'est vraiment énorme. On a acheté le terrain en 2019 à un prix qui était très élevé. Honnêtement, moi, je pensais qu'à ce prix qu'on avait acheté, peut-être que le terrain allait gagner en valeur, peut-être de 100 000 ou 200 000 roupies dans quelques années. Mais en début d'année, j'ai commencé à faire des recherches pour un ami, pour des terrains dans la localisation, dans le quartier, ou, enfin dans la région où je suis. Figurez-vous que les terrains dans le Mosellement de là où je suis ont pris 800 000 roupies de valeur en plus en seulement un an. Imaginez-vous, le retour sur investissement en un an, c'est énorme. Avec 800 000 roupies, j'aurais pu acheter un autre terrain. Bonne nouvelle encore une fois, le terrain prend de la valeur, ce qui est génial. Et j'ai fait des recherches également. Il y a une maison qui est en vente dans le quartier où je suis, qui ressemble un peu à notre maison, sauf qu'elle est plus ancienne, mais seulement elle est de plein pied en L, etc. Elle n'a pas de piscine. Et j'ai vu que la maison était en vente à 8,3 millions de roupies. Là, j'ai vu qu'il y avait une réduction, je crois que c'est à 8 millions de roupies. Sans la piscine, le terrain est un petit peu plus petit et la maison est légèrement moins moderne que la maison où je suis actuellement. Donc voilà. Imaginez-vous, les amis, moi j'ai commencé en 2015 grâce à mon père qui m'a donné 500 000 roupies. Vraiment, il a fait un gros sacrifice. Il m'a donné 500 000 roupies. Avec 500 000 roupies, aujourd'hui, j'ai pu avoir un bien immobilier. Vaut, je pense, en voyant le prix du marché, qui vaut plus de 8 millions de roupies. Et maintenant, on est en train de faire des travaux pour améliorer tout ce qui est landscaping, etc. Je pense que la maison peut-être va valoir un petit peu plus. Donc voilà, voilà mon histoire et voilà comment en seulement en moins de 4 ans, j'ai pu, avec l'aide vraiment de mon père, de mon mari, de mon beau-père, de ma maman, on a pu ensemble évoluer très rapidement grâce à un investissement immobilier réfléchi et intelligent. Donc, mes conseils pour vous, c'est la localisation, c'est le plus important, c'est ce qui va vous rapporter de l'argent. C'est pas la grandeur de la maison. Enlevez ça de votre tête. Je connais des gens qui ont acheté des terrains dans des, excusez-moi l'expression, mais dans des trous, dans des endroits où il n'y a pas de bus, il faut prendre sa voiture, il n'y a pas de voisins, etc. Qui ont fait des baraques de fous, qui ont dépensé des millions et des millions, mais maintenant, ils doivent la revendre à moins cher que ce qu'ils ont investi parce que c'est dans un endroit qui n'est pas fréquenté, qui n'a pas de développement, etc. Donc, vous allez vous retrouver coincé. Donc, honnêtement, enlevez ça de votre tête. Ce n'est pas la maison qui fait le bien, c'est la localisation qui fait le bien. En tout cas, pour moi, et je peux vous le prouver maintenant. Je ne sais pas si vous entendez, il y a des travaux. J'espère que vous n'entendez pas dans la vidéo, mais il y a du bruit. Je m'excuse pour ça. L'immobilier, honnêtement, pour moi, c'est l'investissement le plus sûr qui ramène vraiment plus de retours sur un court terme. Et vraiment, allez-y. Je vous ai donné tous les chiffres. J'ai été complètement transparente avec vous. J'espère que cela va vous aider vraiment dans vos choix d'investissement, présent ou futur. Comme moi, vous réaliserez vos rêves et même plus encore, même des rêves que vous n'auriez peut-être jamais pensé réaliser, que vous allez pouvoir le faire. Donc, allez-y et je vous souhaite vraiment bonne chance et bon courage pour tous vos projets. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo spéciale travaux. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. Ciao!